fait une tuée. C'est la motocross la plus puissante au monde. Oh mec, j'étais en bas. Dans la gueule. Oh merde, ça casse pas. Oh la vache. Ok, là ça cause. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test de la Stark Varg 60 chevaux contre la 80 chevaux. Oh là là ! Bon William, là j'ai envie de dire que c'est le grand jour de notre vie. On le dit dans beaucoup de vidéos, aujourd'hui c'est un grand jour, mais là on n'a pas une Stark Varg, on en a deux avec les deux configs qui existent. 60 et 80 ouais. chevaux, c'est la motocross la plus puissante au monde. Motocross électrique bien sûr, tout le monde en parle en ce moment, c'est la moto du moment. 30% plus puissante qu'une 450. Ça commence même à gagner quelques compétitions. On est sur la succession de la Alta. Ça fait quelques années qu'elle n'existe plus. Qui était très en avance sur son temps, mais là, ça y est, on commence à avoir des autonomies qui sont un peu plus cohérentes et un produit qui est très bien fini. On va tester tout ça et voir ce que ça vaut en termes d'autonomie, de pilotage, de maniabilité. Donc, on a la 60 chevaux qu'on a acheté du coup. On voulait pas prendre la 80 chevaux parce que si on arrive à maîtriser 60 chevaux, ce sera vraiment un miracle. Par contre, on a en plus du coup la 80 chevaux qui nous a été gentiment prêté par Mobishop, donc vous commencez peut-être à le connaître, il est apparu plusieurs fois. Il a un shop sur Nevers lié à la mobilité urbaine, mais aussi au tout-terrain électrique. C'est aussi un des fondateurs d'Ampera, on avait essayé sa moto, je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne qui est vraiment cool. C'est notre partenaire sur JW Shop, si vous voulez une moto, n'hésitez pas à passer par lui. Il vend également du coup des Stark Varg, mais aussi Suron Light B, Ultra B, Talaria, tout ce qu'il faut pour s'éclater. Et du coup vraiment merci à lui pour le prêt de la moto et la vente de la nôtre. Et on remercie aussi bien sûr le motoclub de Ternan, parce que là on a une piste incroyable qui nous est réservée pour l'occasion, donc c'est vraiment trop chouette. On espère juste qu'il fera pas trop froid, mais ça a l'air d'aller, il y a quand même un peu de la glace, donc on va voir ce que ça donne. La moto là est 100% neuve, elle a jamais roulé, donc les suspensions risquent d'être un peu dur. Oui c'est ça, il y a besoin de faire quelques warnings entre les suspensions neuves, il fait assez froid donc les batteries ce sera peut-être pas non plus très représentatif de ce qu'elles peuvent donner en temps normal. Et surtout on a les chambres à air d'origine qui apparemment sont pas folles, donc on espère qu'on pourra au moins faire cette première session sans crever et puis après on changera tout ça. C'est ça. Si jamais il y a des gens qui nous connaissent pas, c'est Joe et c'est Will et on teste des motos électriques off-road et on a plutôt l'habitude de rouler sur des Suron Light B, Suron Ultra B. Moi j'ai roulé en thermique là pendant un an mais on reste amateur, donc je pense que ce test sera bien représentatif de ce que peut donner la Stark Varg pour un amateur en termes d'autonomie, tout ça. Contrairement à certains pros qui vont vraiment ouvrir tout le temps, nous on est quand même plutôt représentatif du niveau moyen des pilotes qui attaquent un peu mais qui sont pas non plus des champions. Nous on a l'habitude de rouler effectivement des Light B ou autres qui ont les freins au guidon, donc nous ça fait déjà bien 4 ans qu'on a l'habitude de piloter comme ça, donc les deux configs de Stark Varg sont avec les freins au guidon, c'est vraiment ce qu'on aime. Bon allez, on va essayer tout ça. Yeah, mon gars, c'est le grand jour quoi. Ça fait vraiment un truc hein. Là j'avoue que même de préparer le matos, avoir des tenues neuves, de Stark Varg, putain. Ça me fait encore plus un truc que quand j'ai essayé la Ultra pour la première fois je crois. Mec, j'ai l'impression qu'on est dans Reflex. Avec les maillots, Mario William et tout. Yep. C'est plus une Light B. Oh mec. On n'est pas dans un putain de jeu vidéo là. Ok, mode 1. Toi aussi? Ouais. Parti. Là, on est sur 30 chevaux. Allez. Au du terrain. Premier fini avec la moto. C'est parti. Oh, mec. Très doux en bas. Mec, je me sens, mais... Je me vois, j'ai l'impression d'être sur la vidéo d'un pro, tu sais. De voir le cercle Stark au niveau du cintre, là, c'est... Du coup, c'est trop cool. En plus, aujourd'hui, on a nos nouvelles tenues Joyride. Elles sont vraiment belles. Si vous les voulez, n'hésitez pas. Sur le site de Mobishop, il y a toutes les tenues Joyride. On a décidé avec notre partenaire Joyride de vous faire un petit cadeau. Oh. 51. Et le quoi, le pastis? Ça n'a rien à voir avec le Ricard, du coup. C'est pas trop bien. Elle est géniale, oh, la ref. Trop cool. Là, un peu design Jack Daniel, c'est... Vraiment pépite, vous verrez la tenue de jeu aussi, elle est vraiment cool donc n'hésitez pas. Comme vous pouvez le voir, elle est toute neuve, elle a 4 minutes. Les 300 mètres, c'est roue dans le vide. Pas trop, pas trop, pas trop. Activé le 13 janvier 2024, on va mettre le premier mode 30 chevaux, on va laisser à 80 la régène. Deuxième mode, on va mettre à 40 chevaux, ça me perturbe. Ça me perturbe. Ah voilà. 40 chevaux, mode 3, 50, mode 4, à 60. Et on va tester le dernier mode, on mettra 90% de régène pour voir la différence. On enregistre. Donc sur la deuxième, on a mis pareil. Et lui, pour le dernier max, il aura le 80 chevaux, le mode alpha. Oui. Oh, on découvre le terrain, on découvre la moto. Les 30 chevaux. Ok, il y a des endroits, ça va un peu glisser. Ok, ouais, c'est un peu défoncé.
Ouais, ouais, on sent que c'est spat, c'est un peu... Mais bon, c'est réglé cross, hein, comme je disais, faut aller vite. Ouais, c'est vrai. Ok, faudra faire gaffe. Oui, un beau trou en plus. Waouh, wow, ouais, j'avoue. Mec, par contre, enfin, je viens de capter. Ça a pas l'air lourd. Bah, une fois en roulant, oui, non. Bah, ouais, mais bon, la BHR, vas-y, passe devant un peu. Non, en vrai, c'est terrible de pouvoir régler en fait ta moto. Mec, mais déjà, 30 chevaux, en vrai, ça marche, hein. Ouais, ouais, c'est que ça me fait penser à la BHR, effectivement. Faut qu'on casse les trucs de glace. Oh merde, ça casse pas. J'aimerais que ça lève un peu plus facilement, tu vois. Mode de 40 chevaux. Mec, mais 80, c'est débile. Ok, ouais, putain, mais 40, c'est bien, hein. C'est 88%. 89. Mec, c'est un délire, hein. C'est solide, il y a des gros trous. Faut retrouver ce qu'on peut sauter. Bon, Jonathan, on l'a testé, ça y est. Ouais. Une Starkvar à chacun, une 60... Bah, j'ai plus roulé la 60 chevaux et toi, ouais, plus la 80. Il y avait pas énorme diff. Après, on était plus concentré sur le terrain défoncé. Ouais, la rouler plutôt que vraiment comprendre les puissances, ce que ça donnait. De ce que j'ai discuté avec beaucoup de monde, en fait, personne la roule même à 60 chevaux. Même des mecs qui roulent en ligue et qui ont quand même un bon niveau. Ils la roulent à 45, 50 chevaux, 55 parfois. Mais et encore 55, apparemment, ça commence déjà à pousser. C'est des mecs qui ont la Alpha ou la 60 déjà de base? Non, ils ont la 60. Ah voilà. Et rien que la 60, ils la roulent pas à 60. Ouais, ouais. C'est notre avis, encore une fois. Peut-être qu'un mec qui a le niveau de Josh Hill, il dira « Oh, moi je la roule à 60 chevaux, ouais, ça passe très bien. » Nous, on pense que c'est vraiment pas pour du cross d'avoir autant. Je pense dans le sable, peut-être que tu tires 60, tu vois. Autant entre la 60 et la 80 chevaux, effectivement, si la personne fait que du cross, il faut choisir la 60. Mais peut-être que Stark a prévu de faire une moto capable d'encaisser tant pour être sûr que quand les gens vont rouler à 45 chevaux, 50 chevaux, il n'y a pas de problème, quoi. Parce qu'on se met à 50. 1, 2, 3. Oh la vache. Ok, là ça cause. Je suis parti en trave direct. On retrouve un peu un feeling ultra bill. Ouais, ouais. Oh, j'ai un souci. C'est quoi? J'ai déraillé, je crois. Attends. Pourquoi qu'elle avance pas? Non, bouton du bas, je vais y arriver. Ah ouais? Ok, t'as une coupure. Oh non, la Stark toute blanche. Ah là oui. En tout cas, 50, ça commence à me plaire là. Je pense 45, c'est pas mal, hein. Oui, on était à 40, donc 45, ça doit être un bon compromis, ouais. Ouais, ouais. Bah, en tout cas, pour notre niveau, ouah, tu m'envoies, gros. Hein. Pas trop whiffé. Ouh, fais gaffe, hein. Ouah, c'est chaud. Ça lève tout seul à 50, hein. On a essayé plusieurs motos électriques, on n'est plus étonné par ça, mais c'est vrai que la différence de map, tu le sens vraiment quand on est passé de 30 à 40. Oui, à chaque step, on a senti la diff. Tu sens vraiment une diff, que tu passes sur une autre puissance. Je repense aussi à des images qu'on a vues sur YouTube où les mecs passent la bécane au banc, où on voit vraiment les incréments très cohérents sur les courbes de... C'est vraiment step by step et à chaque fois, c'est pas le double, mais voilà, tu sens qu'il y a 10, 20... Ouais. 30 chevaux. Alors il y en a beaucoup qui ont vu sûrement la vidéo de Boiserie où il la passe au banc et elle sort 59 chevaux. Bon, il était en pneu cross donc c'est pas le plus représentatif. Le premier client Stark, il l'a passé au banc avec un kit Supermote et elle sortait 70 chevaux. Donc c'est pas non plus les 80. Après voilà, est-ce que d'un banc à l'autre ça peut bouger? Dans tous les cas, même 70 chevaux c'est vraiment énorme. Et après, est-ce que bah voilà, il y a de la perte au niveau du banc? Bah les bancs sont pas trop faits pour non plus. Pour les électriques, ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, il y aura ce qu'il faut. Ouais. voilà. Et surtout, ce sera paramétrable parfaitement en fonction de ce que vous voulez. Elle se met en neutral au bout d'un moment, toute seule, c'est pas mal. Ah ouais? Ah ouais, ça encaisse bien. Ouais, ouais, vraiment. Ok, il fallait manger en fait, un peu, je crois. Alors, j'ai du mal à bloquer l'arrière. Les freins, tu parles? Ok, j'ai failli me tuer. Bon, fais gaffe, hein. T'as un peu le cul qui est parti. Ouais, ça allait encore un peu. Waouh, ce que t'envoies, gros. Ah bah là, j'ai essayé de mettre grand gaz et y'a rien qui passe. Cette vidéo va plus falloir le voir comme un premier ride plutôt qu'un test complet. On refera une vidéo après pas mal de fois d'expérience parce que bah voilà, l'autonomie c'était un tournage donc c'est compliqué parce qu'on fait des petites boucles, on fait pas des tours qu'on enchaîne. Ah non, c'était clairement pas un test, c'était nos premières impressions. De la puissance, à plus savoir quoi en faire. Un châssis monstrueux. Ouais, le châssis est vraiment bon. Alors on n'a pas des refs, on reste des pilotes amateurs, on n'a pas essayé beaucoup de motos. Déjà visuellement que la moto est bien construite. Jonathan il a dit j'aimerais en acheter une deuxième pour la mettre dans mon salon et pas la toucher.
tellement c'est un objet d'œuvre d'art, c'est une belle moto et en blanche en plus comme ça, elle est incroyable. Bon, calmez-vous, je peux pas me le permettre. Bah, en vrai, quand tu regardes le prix de certains meubles de design ou d'œuvres, ouais, des peintures et tout, tu te dis, bon, 12 000 balles, c'est quoi? À la place d'un tableau qui peut en valoir 20 000, ouais, c'est vrai. Et puis pour reparler de l'unboxing, bah déjà on l'a fait dans des conditions de ouf, dans le local de Thomas, la Stark, produit incroyable, la belle lumière avec le fond sombre et tout. Son magasin qui est à Nevers est vraiment canon, donc si vous êtes du coin, n'hésitez pas à aller le voir, que ce soit pour une Stark Varg, Suron ou Talaria. C'est pas que l'off-road, hein, c'est la mobilité... Mobilité électrique. Ouais, c'est ça. Il y a du off-road et du urbain, et puis même Thomas est trop sympa, il nous a fait Cella Ampera, c'est un passionné, il connaît le produit et son magasin est super chaleureux. Et du coup, bah, c'est lui qui nous a vendu notre Stark Varg, donc merci à lui. D'ailleurs, vendeur du coup, ouais, c'est ça. Oui. Il est un vendeur Stark. Et puis voilà, on a fait un unboxing dans des conditions terribles. D'ailleurs, je t'ai pas dit, on a oublié la caisse à outils Stark. Oh merde. Du coup, je lui ai dit, tu nous l'enverras, parce que ça, on va peut-être pas y retourner. Oui, parce que vous avez vu, mais ce qui fait aussi que Stark, ils sont au-dessus, c'est que t'as pas juste la moto, quoi. En fait, il part du principe que si tu n'as pas de téléphone, eh ben du coup, ils t'en fournissent un. Tu peux mettre une carte SIM, passer des appels et tout. C'est pas un téléphone de fou, mais au moins, t'as ton écran qui peut faire téléphone. T'as aussi la fameuse caisse qu'on a oubliée. Bah, la caisse qu'on a oubliée, ouais. En gros, t'as la grosse clé dynamométrique. Deux clés dynamo, ça coûte une couille. Oui, les clés dynamo, ça coûte une couille, surtout les Ross. Ouais. Tous les embouts. La petite chiffonnette, toute belle Stark Varg. La petite chiffonnette. Et puis, tu sais, c'est la matrice dans laquelle elles sont posées, c'est du bois, c'est pas de la mousse de merde. Enfin, c'est ça qui est beau, c'est que dans les détails, les gars, ils se sont fait chier. Ça, plus les petits détails qu'il y a sur la moto, le petit réglage pour la chaîne où il n'y a pas besoin de. Avec ta clé et ton écrou. Moi, ce qui m'avait bluffé, c'est la petite boîte des connecteurs quand tu mets ton. Ah oui. Tout est bien pensé et niveau finition, j'avoue que c'est quali et que quand les cross électriques des autres marques arriveront sur le marché, je sais pas s'ils auront l'occasion de le voir, mais si ça peut faire step up le game, ce serait cool parce que il y en a que ça va faire rager, hein, mais moi je trouve ça. Moi quand je vois une Yann. Non mais voilà, c'est beau, mais j'ai l'impression que à part les plastiques, voilà, ils sont pas sur cadre alu, ça fait 20 ans que ça a pas changé quoi. Tous les. On parle de Yann, mais de tous les autres, hein, ils dans leur sécurité de. Ça a pas bougé. Dès qu'il y en a un qui passe sur une techno, ah bah les autres suivent, mais ça reste des petits moves quoi. Alors que Stark, ils ont envie, ils ont. Allez, voilà. On met tout ça de nouveau. Après, ils étaient obligés, hein, une marque qui sort de nulle part, s'ils font pas un produit. Il y avait aussi le pied de moto avec le chargeur intégré. Limite, moi j'aurais aimé une grosse poignée possible pour si le pied tu t'en fous, au moins que sur le terrain tu te trimbales pas avec ton gros pied, tu peux prendre juste le chargeur en mode valise quoi. Ouais, parce que là du coup ça fait. Il pèse une tonne quoi. Puis prendre la place. Mais bon, c'est quand même. Voilà. Tu l'ouvres, ça fait genre le petit clac, t'as ta porte qui s'ouvre. Pareil, le support téléphone, la charnière, elle est magnifique. Le bouchon pour charger, quoi, avec vraiment le bon petit avec clac. Le petit câble métallique. Même l'intérieur du garde-boue arrière, avec les vagues dans le plastique. Bah, en fait, les vagues, il y a une raison, hein. Je crois que c'est pour la légèreté des plastiques. Hein. Genre, ils ont vraiment beau. Enfin, oui, mais ils ont fait un beau motif, quoi, ça pourrait être un truc à la con, tu vois. Oui, c'est vrai. Oh là, mec, c'est beau. Oh, mais c'est tu m'envoies. Ah ouais, il faut nettoyer la GoPro. Intense. C'est la guerre. Ah putain, ouais. C'est une arme, hein, ouais. Putain, ça se place et tout. Ouais, ouais, vraiment, là, le souci, c'est le pilote, pas la machine, hein. Il y a bien de la région. Je déteste cet endroit. Ça va être compliqué de monter à plus de chevaux. Bon, on peut, mais on va pas ouvrir, en fait. De la terre dans la gueule. J'aimerais parler du poids un peu. J'ai vraiment eu peur au tout début quand on manipulait. Ah ouais. Je me suis dit, est-ce que c'est normal et que toutes les motos thermiques, j'ai oublié à quel point c'est chiant à manipuler, ou est-ce que là c'est particulièrement lourd? Et après en roulant, passer 10 km/h. Ah ouais, c'est ouf hein. Dès que tu pars dans les virages même un peu lents. Ça, je pense, c'est qu'ils ont vachement bossé le centre de gravité. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. J'ai été étonné de retrouver les petits moves que je peux avoir sur la Light B ou sur la Ultra. Vraiment, par contre, ouais, dès que j'arrivais sur une ornière où je me posais la question de où je vais aller et je m'arrêtais presque, là, je me disais, oh merde. Wow, comment elle est lourde, là. Il y a vraiment le step 5-10 km/h à passer et après, ça se transforme. Bah, ouais. Eh, mais full exter, c'est pas mal, non? Là. Ouais, ça fait un single, quoi. Oui. Voilà, une pause toutes les deux minutes, on est des hommes. Oh, les pilotes, quoi. On cherche la trage parce qu'on a mal au bras. Celle tout à droite, en vrai, elle a l'air pas mal, hein. Yeah. Oh, ouais. Du coup, il y a l'élan qui va bien. Elle est bien, la trace, hein. Terrible. Ah, c'est cool. Enfin, je vais essayer. Yes. Ah, du feeling avec la Stark en l'air un peu, ça fait plaisir. Et William qui s'élance. Tout doucement, ça y va bien. Okay.
Franchement, cette suspension, c'est pas loin d'être bien. Hein. Il y a un poil trop dur quand même. Oh là là. La petite gerbe de terre quand tu atterris, tu sais. Yeah. Et surtout, on a trouvé que ça avait un bon châssis et que ça encaissait, alors que la morteau était mille fois trop dure. Ouais. Vous le verrez sûrement, ça va vous sauter aux yeux. Nous, on était tellement concentrés dans le tournage et dans le fait de découvrir la moto, de pas se casser la gueule avec, qu'on n'a pas remarqué, mais enfin, la morteau était vraiment trop dure. Bah, en fait, on m'avait dit que les suspensions étaient dures. On commençait à rouler et la fourche est dure cross. Enfin, moi, ça m'a pas choqué parce que bah, dans les trous, elle encaisse quand même. L'amortisseur, enfin, on l'a vu, moi, sur les sauts ou dans les trous, je suis obligé de me mettre en arrière parce que tout on se prenait un petit coup de raquette, dès que c'était un peu du whoops, voilà, pareil, on voit le cul qui balade. Moi, sur le coup, j'avais un peu cette impression, mais je croyais que c'était vraiment le fait que c'était béton par terre. Oui. Que c'était béton et whoops. Et je me disais, vu que j'ai pas trop l'habitude de rouler déjà une full size, alors j'ai jamais roulé une full size et même n'importe quelle size dans ce type de terrain, je m'étais dit, c'était peut-être un peu comme ça et c'est tout. En fait, non, quand on regarde les images. Ouais, non. De Starbug. Putain, il manque un bon bout quand même. Hein. Oh, ça va le faire. Oh là là. Je sens rien. J'ai vraiment peur de me faire une... Une ligne. Une ligne, ouais. Bah en fait, je me mets court. Je rebondis. La moto part à 90 de l'autre côté. Une ligne à situation. Ouais, c'est plus clean à droite, j'ai l'impression. La reste, c'est plus propre. Wow. Pas plus, gros. Hein. Oh, putain. Smooth. Faut aller vite. Enfin, ouais, quand même un peu de gaz, ouais. J'ai pris un poil plus à l'inter. Pour une fois que j'ouvre une bosse. C'est pas très à l'aise non plus, mais... Ouais, non, pas très à l'aise. Hein. Fallait pas que tu sois de travers, hein, putain. Oh. Le temps de riding, il sera tellement pas représentatif vu qu'on on s'arrête et tout. Oh, oh non, c'est impossible, gros. Je sais pas comment les mecs ils font. Dans la gueule, il faut être. Enfin, genre ça déconcentre tellement. Le levier Formula aussi était pas incroyable. Donc c'est le frein arrière. Il y a un levier Brembo pour le frein avant et un levier Formula pour le frein arrière. Et on a demandé à Thomas de chez Ampera qui, du coup, vend des stars, qui dit bah non, moi sur ma Ampera, j'ai un levier Brembo et ils en font. Donc est-ce que Brembo n'avait pas de production suffisante pour équiper de série les stars? On sait pas, mais voilà, peut-être qu'on changera, on verra. Parce que moi j'aime bien quand même bloquer l'arrière. Enfin, c'est hyper important. C'est peut-être que ça finira sur le site aussi à voir. Ah oui, si on a retrouvé du stock ou quoi. Carrément. Parce que l'idée c'est peut-être à terme aussi d'avoir quelques pièces sympas pour la Stark quoi donc. Ah c'est cool. Wow. Putain mec, ça me prend dans la gueule. Waouh. Wow. Ouais. Wow. À plat ça bouge tellement pas. Putain, fais gaffe, hein, gros. Bon, ça va, je me sens bien. Gros, tu rateras à 45 degrés, hein. Ah ouais? Ouais, ouais, quand même. Elle se recale si droit. Il est encore derrière. Tu l'as passé? Ouais, ouais. Mais non. Faut y aller gaz, quand même, hein. Bah on a retrouvé le plaisir de pouvoir se parler, de pouvoir même communiquer avec notre caméraman sans avoir à éteindre la moto, machin. En fait, on avait le feeling vraiment, on se balade sur deux Lightbee, mais avec deux grosses quoi. Moi du coup, qui viens de faire une année en thermique avec la BHR, oh, quel bonheur de pas avoir de vitesse, d'avoir le couple instantané, de pas avoir le frein au pied. Parce que nous, on n'a pas l'habitude, donc si on doit freiner en l'air, bah là, c'est accessible. Et moi, quand je vois des vidéos MX Test, alors on cherche à mettre le frein au guidon, ah c'est pas mal, ah, la gâchette, peut-être un levier. Plutôt moto électrique, on en reparle plus. T'emmerde pas. Si toute ta vie t'as roulé comme ça et que là tu passes sur la Stark au début, ça doit faire vraiment bizarre. Je pense qu'au pire, tu commences, tu te la prends en version frein au pied. Même il y a un kit pour avoir le frein au pied et le frein à la main. Ça, je pense que c'est vraiment bien parce qu'au moins, quand t'as un peu mal. À... Sur le site de Stark c'est... Non, ça c'est pas. Ah, c'est un truc c'est fait main comme ça. De temps en temps, quand t'es à l'aise, dis allez, je vais choper à la main et le jour où bah, tu le dégages juste ton levier au pied et t'es rodé quoi. Merde. Je
un détail qui m'a choqué, c'est je me suis dit la batterie ça doit être super long à recharger. Sur ce qu'on a roulé là, on est descendu à 40%. Et moi quand je suis rentré, je me suis dit je vais la mettre à charger jusqu'à 80. Et en fait, elle a chargé à 100% hyper vite. En fait, je me suis dit une batterie de Lightbi ça met 2 heures, donc la Stark ça doit être beaucoup plus. Mais en fait non, moins il y a d'ampères, plus c'est rapide à charger. Nos batteries par exemple, la 80 volts 45 ampères, elle sera plus rapide à charger que la 72 50 alors qu'il y a autant de cellules, mais c'est la manière dont les cellules sont reliées. Et là, la batterie c'est une 360 volts, donc c'est une batterie très haut voltage, enfin avec une très haute tension. Et par contre, il y a, je crois que c'est 18,5 si je dis pas de bêtises, ampères. Bon, il y a quand même le nombre à recharger. Là, à 40%, en 1h30, j'ai été chargé à bloc. Ouais, c'est pas mal. Ce qui est une bonne chose du coup, vu que l'autonomie par rapport à une thermique, c'est quand même ce qui va pêcher. J'espère qu'un jour, ils permettront de charger à plus de 10 ampères. Et que s'il y en a qui le savent, peut-être qu'ils pourront nous dire. Peut-être le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'ampères dans la batterie, qu'il n'y a que 18,5, on peut pas se permettre de la charger à 20, tu vois. J'ai mis grand gaz gros, c'est monté si haut. Donc là on va tester le mode 60 chevaux en mode drag race. Bon, c'est gras, on va faire ce qu'on peut. C'est que Thomas me disait que j'ai une courbe d'attaque qui est quand même plus vénère que la tienne. À 60 Tout le temps. J'ai toujours un peu plus de chevaux en bas. Pour ça peut-être que je consomme un poil plus que toi, tu vois. Je sens que je vais encore partir en couille sa mère. Ouais, qu'on se rentre pas dedans. On est à 60 contre 60. Go. Oh là là. Y'a rien qui est passé, rien du tout mec. Bah j'ai un peu dosé. J'étais sur place 5 secondes. Ah j'ai pas réussi à doser mec. Impossible. Mec c'est débile. Wouah. Là c'est très différent. Ah mais pour doser ça mec. Regarde la trace mec par terre ce qu'on a creusé. On refait 60. Go. On part jamais. Mec, elle ne part pas la mienne. Toi tu fais. Tu veux la mienne, voir s'il y a une diff ou... C'est impossible. Ah mais mec, t'as aussi le bon pneu qui disait... Oh shit, j'ai un pneu un peu plus rincé, et toi t'as le pneu neuf grave tendre là. Ça a l'air un peu plus nerveux la tienne, non ou... Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Tu vois, j'y croyais pas, mais effectivement, peut-être la alpha... 3, 2, 1, go. Oui. Ouais. Ah bah voilà. Et bah voilà. Par terre. Je l'ai pas vu. Au ralenti, je suis tombé. Non mais comment tu veux tester 80 alors que 60 y a rien qui passe. Ouais, on sort là, on se met à côté et je mets le 80. Gaz. Oh, c'est pas croyant. Ouah, non mais mec. Ok, c'est énervé. Là, putain, là on le sent. T'as réussi à poigner dans l'angle, ça a grippé ou... Non. Moi j'avais bien... Wouh. Je l'ai vu de peu. Gros, c'est un dragster. Là, j'ai senti, en étant lancé avec un peu de grip, que vraiment ça a levé, j'étais obligé de couper. Putain, il faudrait plus de longueur pour être plus zen. Bon, du coup, on voulait tester la 60 versus la 80 chevaux. C'est un peu plus compliqué que ça, du coup, à tester. On aurait eu un champ vraiment immense. Nous, là, c'était super gras, c'était un peu en montée, donc c'était vraiment pas les conditions parfaites. Mais pour moi, pour 95% des gens, les 1000 balles en plus, ça vaut pas la peine. Tu vas faire deux drag race sur un start, tu vas trouver qu'au final tu mets même pas la poignée dans l'angle, donc il n'y a vraiment pas d'intérêt. Wow. En gros, j'ai même pas osé parler, rigoler, quelque chose, tellement je sentais l'arrière qui voulait faire ce qu'il voulait. T'avais la poignée dans l'angle là-dedans ou tu te retenais un peu? Ah la f... Bah il y a un moment j'ai pu la mettre. Mais elle lève jamais toi. Moi elle a levé tout seul en fait. Bah j'ai un peu moins de grippe. Je pense que vraiment la diff c'est sur un gros terrain de mix, tu peux peut-être le sentir quand t'es côte-côte. Là ça prend le grip. J'avais 80, t'avais 60, c'était pareil et j'avais un peu plus d'attaque en bas. Mais ça c'est marrant parce qu'il n'y a pas de communication là-dessus. Bah ouais. Mais du coup là 80 chevaux, réglé équivalent, donc peut-être qu'effectivement au lieu de rouler à 45 chevaux, tu devrais rouler à 40 pour avoir l'équivalent. Mais du coup, régler les deux à 45 chevaux, l'autre consommait plus et on a vraiment essayé de rouler quand même tout le temps ensemble. Si vous n'êtes pas un pro en vrai, alors je pense du coup que ça peut avoir un intérêt quand vraiment t'es chaud de prendre la 80 peut-être du coup et quand tu roules à 50 d'avoir un peu plus ton peps. Mais si t'es un pilote moyen ou tu débutes et tout, tu prends la 60, tu vas peut-être avoir un peu moins d'attaque en bas. Mais tu auras plus d'autonomie quoi, parce qu'à la fin on avait quand même 10% je crois. Alors après il y a aussi le fait que toi t'avais le pneu d'origine et toi un pneu peut-être plus dur. J'ai glissé peut-être plus, tu vois, peut-être ça grippait beaucoup moins. Plus dur, moins de crampons. Et toi voilà, ce qu'il me disait Thomas, que le pneu d'origine il lui a duré 4 heures parce qu'il est super tendre. Alors ok, il y a un grip de l'espace. Mais bon, du coup il part en morceaux. Ouais, c'est ça. On verra en vraie utilisation, mais niveau batterie, on n'a pas fait des vrais tours.
Mais bon, on a enchaîné les petits passages. On a mis quelques runs, on a bien tiré dedans. Il fait pas très chaud et on est à 50%. On fera une vidéo après quelques mois d'utilisation sur combien on fait en moyenne en batterie et tout. Ce sera intéressant. Oh mec, j'étais en bas. Ouais, t'as vu comme ça absorbe. Bah les couilles. Oh, je me suis dit merde, je suis un peu optimiste. Je m'attendais tellement à taper. On roule mieux déjà. Ouais, un peu. Oh putain, carrément, ouais. Je sens le potentiel de fun sur des terrains qu'on connaît et pas arrachés. Alors si, il y en a qui vont l'utiliser en enduro, même si pour l'instant elle est pas homologuée, mais bon, ça, je pense que ça viendra. En enduro, effectivement, ça sera peut-être plus compliqué du coup. Et moi, honnêtement, en enduro, je me vois pas avec une star. Non, franchement, ouais. Déjà la ultra, je vois que je me retrouve dans des situations galères. Franchement, la star. Vaut mieux partir sur une ultra, je pense, en enduro. Bah, il y en a toujours qui voudront la vraie full size, acheter une moto directement méga équipée avec une méga grosse batterie. Enfin, effectivement, c'est 12-13 000 balles. C'est un budget, mais encore, moi je le répète, mais quand je vois des KTM équipés en white power à 11 500 balles et c'est des 2,5, c'est pas tant cher que ça. Honnêtement, en moto électrique, pour le moment, que ce soit en cross ou en enduro, il n'y a pas trop de concurrence. Celle qui pourrait concurrencer en enduro, pour moi, ce sera la Flux. Qui sera super cher aussi, mec. Ah oui, non, mais qui sera super cher, mais par contre, batterie un peu plus grosse. Je crois qu'il bosse beaucoup plus le côté homologué. À voir, ça, je suis pas sûr. Pour l'instant, en tout cas, en moto achetable, parce que ça y est, maintenant, la Star qui commence à débiter niveau production. Ah ouais. C'est la seule sur le marché. On verra, on essaiera de faire une sortie en enduro, même si du coup, avec les suspensions réglées dures en cross, on essaiera d'assouplir et quand même de faire une sortie un peu chemin rapide. Carrément, ça sera vraiment cool. Ouais, 100%. C'est cool, hein. C'est vrai que la bassière, j'aurais pas fait, mon pote. J'ai fait un peu d'enduro. Waouh! Bon, dans tous les cas, comme on vous l'a dit juste avant, on va la rouler plusieurs fois en cross. On va même la comparer à notre Ultra B qu'on est en train de préparer à fond. Donc du coup, un peu moins de suspension, mais beaucoup moins de poids. Et quand même une grosse batterie qui elle va sortir quand même, je crois, 40 ou 50 chevaux. Donc ce sera intéressant de comparer, sachant que par contre, on est sur un tout autre budget là, par rapport au prix d'une Star. Oui. Je pense qu'on va avoir des belles batailles. Il se peut que justement ce petit gain de poids et de maniabilité vaille peut-être le petit plus d'argent à mettre. Et pareil pour le côté homologué, enfin tu vois, c'est vraiment, je pense que ça va se titiller sur les arguments, tu vois. Le côté homologué. Il y a juste moi ce qui me dérange un peu, c'est cet aspect courbe de gaz que tu peux pas l'attaque au niveau de la... Pour chaque mode, il y a la puissance et la régénération. Et je trouve ça dommage de pas pouvoir aller un peu plus loin dans les réglages. Bah ça, c'est le côté un peu trop Tesla, justement, qu'on peut reprocher à Stark, c'est que... Ils veulent contrôler beaucoup de choses. C'est que du software, quoi. C'est comme les différents modèles de Tesla, c'est uniquement du logiciel qui te bride ou non la bagnole. Ah oui, entre la 60 et la 80 chevaux, savoir qu'il n'y a aucune différence, à part le logiciel, en fait. Si on pouvait, on pourrait la craquer et la débrider. Pas le test le plus simple. Mais putain, sacrée machine. Hein. Remets-nous ici avec des thermiques. Embrayage, vitesse tout comment, on est paumé, mec. T'imagines aller choper le frein arrière dans un terrain aussi défoncé, non, jamais. Bah c'est vraiment le terrain le plus défoncé de ma vie. On fait pas beaucoup de cross, hein, pour rappel, mais moi j'ai jamais roulé un truc comme ça. Au bout de quelques semaines, mois, on fera une vidéo vraiment, je pense, test de la Stark Varg, où on aura testé plusieurs circuits, plusieurs conditions, etc. On la connaîtra. Ouais. Et du coup, si jamais, comme pour les autres motos qui sont sur notre site, vous pouvez retrouver le petit formulaire qui vous permet de réserver une Stark Varg chez Bobby Shop. On continue de faire bosser les copains, c'est cool. Puis je pense que voilà, le catalogue va peut-être s'étoffer un peu. On aura peut-être les roues Warp 9 pour Stark. Pour Stark, ouais, si vous voulez avoir des petites roues custom qui encaissent fort en cross, ou même des roues Supermod à bâton. Ouais, il y a vraiment des choses assez dingues. Et aussi des kits déco, parce qu'on commence à avoir les copains de Rider Unique. Vous l'avez vu peut-être sur la Ultra aussi, qui nous ont régalé sur le magnifique kit déco. Ouais, on va avoir toute notre gamme de kits déco sur Suron, Talaria et du coup Stark Varg, donc n'hésitez pas. On le dit pas souvent, mais abonnez-vous à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux. En 2024, il y a des gros projets. Vas-y, on va teaser un peu. On va faire un petit reportage sur Matt Rebo qui roule sur la Stark et qui est un pilote Red Bull, donc en FMX. Et potentiellement, la visite de l'usine Stark. Donc ça, ce serait vraiment dingue. Et ça, c'est grâce à vous. C'est parce que vous êtes abonnés, parce que vous donnez de la force. Si vous regardez nos vidéos et que vous n'êtes pas abonné, faites-le. Ça vous coûte pas grand-chose et nous, vraiment, ça nous aide. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et puis, bah, ridez bien. Yes, à plus. Ouais.